Catéchisme de Saint Pie X, page 71, paragraphe 4, le Saint Sacrifice de la Messe. L'Eucharistie est-elle seulement un sacrement? L'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement, elle est aussi le sacrifice permanent de la nouvelle loi. Comment s'appelle ce sacrifice de la nouvelle loi? Ce sacrifice de la nouvelle loi s'appelle la Sainte Messe. Qu'est-ce que la Sainte Messe? La Sainte Messe est le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ offert sur nos autels sous l'apparence du pain et du vin en mémoire du sacrifice de la croix. Le sacrifice de la messe est-il le même que le sacrifice de la croix? Le sacrifice de la messe ressemble au sacrifice de la croix en ce que, dans l'un et dans l'autre, Jésus-Christ est à la fois le prêtre et la victime. Il en diffère cependant, par la manière dont il est offert. Quelle différence y a-t-il dans la manière dont il est offert? La différence consiste en ce que, dans le sacrifice de la croix, Jésus-Christ mourut réellement et répandit son sang, tandis qu'au sacrifice de la messe, qui en est la commémoration, il se fait victime sans répandre son sang. De plus, c'est dans le sacrifice de la croix qu'il mérita notre rachat, tandis qu'au sacrifice de la messe, il ne fait que nous appliquer ses mérites. Qui a institué le sacrifice de la Sainte Messe? C'est Jésus-Christ lui-même qui a établi le sacrifice de la Sainte Messe quand, dans la dernière scène, il institua le sacrement de l'Eucharistie. Pour quelle fin offre-t-on à Dieu le sacrifice de la Sainte Messe? On offre à Dieu le sacrifice de la Sainte Messe pour quatre fins. Premièrement, pour lui rendre l'honneur qui lui est dû. Deuxièmement, pour le remercier de ses bienfaits. Troisièmement, pour l'apaiser et lui donner une satisfaction convenable pour nos péchés. Quatrièmement, pour obtenir toutes les grâces qui nous sont nécessaires. Parenthèse personnelle. Donc, on offre la messe pour quatre raisons. Premièrement, pour adorer Dieu. Deuxièmement, pour remercier Dieu. Troisièmement, pour le pardon de nos péchés. Quatrièmement, pour l'intercession, pour demander des grâces. Fin de la parenthèse personnelle. Est-il bon d'entendre la Sainte Messe tous les jours? Il est très utile d'entendre la Sainte Messe tous les jours, bien que ce ne soit pas commandé. Que faut-il faire pour assister avec fruit à la Sainte Messe? Pour assister avec fruit à la Sainte Messe, il faut l'entendre avec grande attention et avec piété, depuis le commencement jusqu'à la fin, en pensant à Dieu, à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et en récitant de dévotes prières. Ainsi se termine le chapitre 4 sur la très sainte Eucharistie. Je place ce fichier vidéo dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.